Jonah Jameson et moi pourrions peut-être être amis si on se comprenait mieux. Non. C'était super! Un jour, quand le crime aura été éradiqué, je me ferai une petite balade tranquille sur les toits de la ville. C'est pas demain la veille. Les truands adorent Midtown West. Ça grouille de touristes. Je dois veiller à leur sécurité. Que je pouvais pas être plus classe. L'Upper East Side est l'un des quartiers les plus riches de New York. Les malfrats le savent. Si je rate trop de cours, je vais avoir des problèmes à la fac. Avec tout ce qu'on a sur les bras, ils décident d'envoyer la brigade ailleurs. Il paraît que c'est à cause du matériel d'Oscorp. Un genre d'armure qui a été volée.
Et alors? On a besoin d'aide, nous. S'en fiche si des larbins comme nous se font tuer. Je crois que je vais suivre ces camions pour voir ce qui est si important. Génial. Mais parfois, je suis super génial. Tony peut pas venir? On doit aller voir le patron. Il n'y a que les chefs comme nous qui savent où il va quand il n'est pas là. Alors tais-toi et fais ton boulot. Je savais bien que j'apprendrais quelque chose en les espionnant. J'ai plus qu'à suivre leur camion pour qu'ils me mènent directement au gros plein de soupe. Je surveille le camion. Merci, James. Il n'y a qu'une chose qui ouvrira cette porte. Ma toile ionique. Hein? Et Spider-Man en visuel. Tu veux que je te laisse sortir? Lève la main. Non? Bon, c'est pas ta faute. Je l'ai pas. Un crétin en armure sera toujours un crétin. On se disperse pour sécuriser la zone. Bien reçu. Établissez un... La brigade spéciale avec des voyous? Non. Qui aurait pu imaginer une chose pareille? À part tout le monde. Méchants se considèrent pas comme méchants, mais bon, tu dois bien réaliser. Bien sûr, le Daily Bugle n'a jamais de photo de moi dans des moments pareils. Place toujours aussi lentement. C'est pas juste qu'ils aient une armure. Je vais devoir équilibrer le jeu avec ma toile ionique. C'est cool ces armures. Mais ça les rend pas plus rapides. Difficile de trouver des employés compétents. Non, par ici.
des phrases typiques de méchants. Du genre... Sois maudit, Spider-Man! J'adore cette dame. Vraiment! Je dirais que cette brigade spéciale n'est pas si spéciale que ça. Le mari, je l'ai prêt pour toi. Mais crois-moi, nous avons le temps. Compris, Spider-Man? Spider-Man était là que pour te ralentir. Les gars, je l'ai vu. Papa. Bon, tu m'as convaincu. On se bat. Oh, et... voilà. Et les juges accordent la note maximale à Spider-Man. Bon, c'est juste dans ma tête, mais quand même. Cible en vue. Ouvre le feu. Ces armures n'ont que la valeur des gars qui le portent. Et ces gars, ouais, ils sont nuls. Je suis désolé. Tu te prends pour un super-héros. Tu ne rivaliseras jamais avec ce que j'ai fait pour cette ville. Si je neutralise ceux qui donnent des ordres, ils seront complètement désorganisés. Bah, il est là. La leçon du jour, éclater les sales types, c'est... Attends. Quelqu'un? Bruno? T'es pas si effrayant, en vrai. Tu vas adorer ma toile. Je sais pas combien ils sont payés, je peux vous dire que c'est faux. Oh, j'aime bien perdre ma chance. C'est maigri souvent. Tu brasses du vent. C'est pas si effrayant, en vrai. Bam! Il est là. Minou, minou, minou! Bah, il est là! Ah, tu causes, mais tu vaux rien! Parfois, je m'impressionne! Allez, étoile ionique. Je préfère largement les robots. Au moins, eux, ils me cassent pas les oreilles. Je crois qu'il va bientôt falloir que je mette la main à la porte. Je te prends pas. Moi, maintenant. Chaud, en fait.
vent. Vite. Effrayant, en vrai. Tu fais si peu d'efforts, j'ai l'impression que tu me respectes. Certain que nous puissions faire totalement confiance à Miss Hardy, même si j'espère que son séjour à Ravencroft lui aura permis de s'assagir. Sa carrière de simple cambrioleuse est une source majeure d'inquiétude, tout comme sa famille. Si elle découvrait la vérité sur la mort de son père, cela pourrait compliquer les choses. Quoi qu'il en soit, elle nous en a déjà appris beaucoup grâce à son aimable participation à nos recherches. Quel que soit le résultat, nous en sortirons gagnants. Mais continuez à la surveiller de près. C'est normal, ça ne fait pas de favoritisme. La secousse sismique... Les types en armure donnent les ordres. Ce qui veut dire qu'il passe en premier. Communication en neutralisant ceux qui donnent les ordres. Et voilà! Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je dois pas l'oublier. Retourner sur les lieux. Ces types sont sous les ordres de ceux qui portent des armures. Voyons voir ce que je peux y faire. Fini de jouer, gras double. C'est vous et moi. Pourquoi il n'y a pas de musique d'ascenseur? Oh, il est plus radin que Jameson. Wow, ça sent la sueur de gros mangeurs de tortillas. Sans offenser les tortillas. Me voici donc face au caïd. Joli surnom, mais je dois dire que tu ressembles plus à une vache qu'à un caïd. Une vache enceinte, peut-être? Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Non, mais vous m'épatez. Vous prenez le contrôle de la pègre de New York sous le nez de tout le monde. La ville entière sait que vous êtes véreux, mais ils vous lèchent tous le derrière. Ce qui doit prendre quoi? Une semaine?
Ça fait une sacrée surface, je veux dire. Le seul criminel dans cette pièce, c'est l'homme masqué qui est entré par effraction dans mon bâtiment. Un violent justicier que le Daily Bugle qualifie de danger public. Très bien, comme vous voudrez. Mais d'une façon ou d'une autre, je vous aurai. Des menaces, maintenant. Je parie que Jonah Jameson m'acclamera un héros quand je t'aurai tué. Oh, pour me défendre, bien sûr. Vous avez lâché Cletus Kasady dans la ville pour éliminer tous vos ennemis et semer la peur. Et empirer les choses et donner l'impression de tout arranger ensuite. Et qui réparera les... Toi, peut-être, qui cours dans les rues dans un costume ridicule et sans sens, roi des fantasmes d'un adolescent. Je vis dans le monde réel, moi, Spider-Man. D'alerte, tu pourrais devenir ce que tu voulais. Elle avait tort. C'est comme un trampoline, non? Vous êtes si gros que si quelqu'un vous rentrait dans l'art, il resterait quoi? Venez ici immédiatement! Vous croyez que je vais l'affronter seul? Les gens ne veulent pas d'une question centrée. Ils veulent un monde qui a des sens. On est en sécurité tant que moi je dois dégager ma famille. Ils veulent de l'ordre. C'est faux! Ils veulent la justice! Ils veulent savoir que s'ils travaillent dur et s'ils suivent les règles, des règles qui s'appliquent à tout le monde, ils vivront bien. Je vis dans un monde bien amusant. Stupide, Spider-Man. Je n'ai avoué aucun crime, enfreint aucune loi. Il n'y a aucune preuve contre moi. J'ai la preuve que vous avez payé Kraven. Non, c'était ma brigade. En tant que consultant en sécurité, je suis consterné d'apprendre qu'il s'est mal conduit. Si c'est bien vrai... On l'a engagé pour ses talents légendaires et un code de conduite à toute épreuve qui ne lui permettrait pas de trahir un client.
Si Kraven ne parle pas, Cassady le fera. un dingue comme ce type ! Oh, je vous en prie, personne ne peut croire ce qu'il raconte. De toute façon, il faudrait vraiment être stupide pour traiter directement avec un homme comme lui. Et crois-moi, je ne suis pas stupide. Je crains Spider-Man